à la télévision ou dans les polémiques. Et de toutes les façons, je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre... Et le 29 juillet 1975 à Kello, petite bourgade du Manima Est. Elle est la fille de Barnabé Sita Kinsuombu et de Léonie Kazembe Okomba. Ce n'est toutefois pas son père biologique qui l'élève, celui-ci est reparti à Kinshasa, mais un Belge, Adam Camille, employé à la société minière du Kivu, Sominki. Cette famille récomposée est pour la jeune Olive, synonyme d'une fratrie nombreuse, deux frères, Coco et Niwell, et deux sœurs, Nono et Dina, du côté de son père, deux frères, Thierry et Jean-Paul, et une sœur, Stéphanie, du côté de sa mère. Un enfant lorsque son beau-père est muté dans le Nord Kivu. Olive Lembe, ses frères et sa sœur, y sont inscrits à l'école. À Goma, quelques années plus tard, elle décroche un diplôme d'État, option pédagogie générale, mais les ressources de la famille sont trop modestes pour qu'elle puisse s'inscrire à l'université. Au tournant des années 1990, elle se lance donc dans le commerce de produits agricoles, maïs et haricots principalement. Son business est florissant et elle parvient à exporter jusqu'à Kinshasa. Elle sait qu'approvisionner l'armée lui garantirait de très confortables revenus et entre donc en contact avec différents officiers. C'est ainsi qu'elle rencontre, un jour de 1997, Joseph Kabila, dont le père vient de renverser le maréchal Mobutu et d'arriver au pouvoir. À l'époque, Joseph est le commandant des forces terrestres. De leur union naîtront deux enfants, Sifa, en 2001, et Laurent Désiré, en 2008.
Elle est aussi catholique qu'il est protestant. Leur mariage, célébré en 2006 à Kinshasa, alors que Joseph Kabila dirige le pays depuis 5 ans, est l'occasion d'une grande cérémonie œcuménique, célébrée dans l'enceinte de la résidence présidentielle, dans le quartier de la Gombe. Ce jour-là officie de concert un prêtre, le cardinal Frédéric Etsouenzabi Bamungwebi, et un pasteur, Marini Bodo. Les mariés recevront en outre la bénédiction du cardinal Laurent Monségo. Aujourd'hui encore, leurs proches l'affirment, le couple a une vie plutôt calme, il peut même vous arriver de rencontrer Joseph à la cuisine, en train de préparer un repas. Olive Lembe entretient de bonnes relations avec la famille de son mari, dont Janet, sa surjumelle, et Zoé, son frère devenu gouverneur de la province du Tanganyika. Aux commandes, et assure que Félix Tshisekedi est désormais le seul maître à bord. Est-ce pour prouver qu'elle parle avec tout le monde ? Le 8 juillet 2020, elle a soin de rendre visite à la famille de Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État qui a été condamné quelques semaines plus tôt à 20 ans de prison pour corruption. En septembre suivant, c'est avec Jean-Pierre Bemba, le patron du mouvement de libération du Congo, MLC, et son épouse qu'elle prend le temps d'échanger quelques mots alors qu'ils sont venus rendre hommage à une jeune sœur d'Antoinette Sassou, à la cathédrale Notre-Dame du Congo. À ceux qui lui prêtent l'intention de se lancer en politique, elle rétorque « Je fais de la politique sociale et non de la politique politicienne ». Elle ne laisse pas non plus les mauvaises langues l'opposer à Denise Nyakeru Tshisekedi, la nouvelle première dame qui est, elle aussi, très active sur les réseaux sociaux et à laquelle elle est souvent comparée. « Loin de moi l'idée d'usurper un statut qui n'est plus mien », lance-t-elle publiquement en septembre 2020, soucieuse de ne pas laisser dire qu'elle fait intentionnellement de l'ombre à l'épouse du chef de l'État. « Arrêtez de m'appeler Première Dame », ajoutera-t-elle ensuite à ses collaborateurs. « Appelez-moi Première Dame rurale. » Je clôture mon mot par l'indulgence que je lance et demande à notre distinguée Première Dame, Maman Denise Nyakeru, à toutes les personnes qui n'ont pas encore pris l'habitude
et d'oublier que les statuts qui étaient miens a déjà changé. Qu'elle pardonne les ses enfants. Je suis sûre que c'est loin de nous l'intention de vouloir usurper son statut. Je remercie très humblement et vivement mon époux encore une fois, Joseph Kabila Kabbalah. De tous les soutiens qu'il ne cesse de nous apporter quand il y a besoin de faire ou d'accomplir des projets d'intérêt communautaire. J'encourage particulièrement le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, dans cet élan qu'il a lancé pour la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, je pense. Et j'encourage tous les promoteurs des écoles de ne pas avoir peur de les faire, parce qu'ils contribuent à un avenir positif de notre pays. Que Dieu continue à nous bénir tous puisqu'il a déjà béni ce pays. Oh, amen. Qu'il continue à nous bénir dans le sens de plus d'organisation, de plus d'initiatives, de plus de technologies de notre part. Que la République démocratique du Congo survive unie et à jamais jusqu'à ce que le monde. Active dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, elle s'est investie notamment dans la construction d'écoles et d'hôpitaux, dans la distribution de kits scolaires et dans l'aide aux femmes agricultrices. Ses activités lui valent le surnom de « Maman Waroro, femme de cœur » en swahili. Témoignée de sa foi, elle a lancé en 2014 les travaux pour la construction de la nouvelle cathédrale du diocèse de Goma, en remplacement de l'ancienne bâtisse, partiellement détruite par une coulée de lave lors de l'éruption du volcan Nyiragongo, en 2002. Le nouvel édifice devrait pouvoir offrir plus de 3000 places assises et Olive Lembe Kabila rêve d'en faire l'une des plus grandes cathédrales d'Afrique. Tumshangilie tumpige.
Tous les territoires de la République démocratique du Congo, pacificateur wa nchi yetu, na pia l'instrument par lequel Dieu est passé pour permettre que nous puissions connaître pendant cette période pour notre génération ce grand événement qui a marqué l'histoire de la démocratie de notre pays. Pour moi et pour nombreux d'entre nous, Congolais, il se trouve être le père de la démocratie puisque c'est l'instrument par lequel Dieu est passé. Il l'a utilisé pour que nous vivions la... We'll be right back.
Oh,
Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.